Vous êtes l'idole de toute votre génération, la beauté 1958. Question de mode. J'étais voir un producteur pour un rôle de vamp. Si tu m'avais vu. La môme caméléon. Je te jure, à la fin, ça devient marrant. Un jour, faut se rapetisser, le lendemain, faut marcher sur la pointe des pieds. Tiens, j'ai déjà fait le rôle d'une rosse, d'une gourde, d'une fille mère, même d'une intellectuelle. Mais 5 ans, ça m'était jamais arrivé. Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en 7 secondes vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Les animaux sont égorgés. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres, sont égorgés vivants. Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire... C'est de la publicité. Pourquoi pas? On se l'est déjà dit à propos d'autre chose. Oui. Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'ait pas besoin de publicité.